La chose étant, les absences, le respect de l'hiérarchie, ça vaut pour vous aussi. Vous êtes là pour apprendre, sachez-le. D'accord ? Je n'hésiterai pas à vous licencier si le cœur n'y est pas. Bien ! La PA, je vous laisserai les accueillir. Les matricules non disponibles et sont les matricules 04 et 45. Les autres sont disponibles. Donc, 78 et 08 sont de nouveau disponibles, on sait jamais. Très bien. Notre sniper ! C'est bon, notre sniper arrive. Qui a pris la balle à ma place là? Oh là là. Il y a quelqu'un qui a pris la balle. Sniper neutralisé. Je sens les gars, quelqu'un capitaine, je veux bien moi. Je pense qu'il a raté son tir, sniper. Qui vous? Tu l'as dégommé? Bah non, parce qu'on avait une position de merde. Putain, je sais pas. Il est pas neutralisé hein. Et mais il était au-dessus de moi. Si, il est neutralisé, ils l'ont dit dans la radio, il y a Ganongo qui allait en écouter. Et son entrée. Ok. Et ton entrée? Dingue. T'as eu ton entrée là? J'ai l'impression que j'étais en train de regarder 007. On a vécu une. Ok. On va passer par la colostopie, hein, j'espère. Ouais, d'accord. Comment tu vas, le Marshal? Effectivement, il y avait Maître Ram. On va être obligé de fouiller dans ton cul. Mais t'es où là? Frey, t'as dit quoi? J'entends pas les mots là. Chéjou, arrêtez s'il vous plaît. Attends, je vais m'écarter. Il vaut mieux qu'il ait pas d'avocat. Je suis en train de bronzer. Ah, c'est ça la prison de Caillou? Merde, excuse-moi. T'as dit quoi? Ah non, lourd la prison de Caillou. Oui, j'ai le droit à un petit repos. En fait, vous êtes pas des prisonniers, bande de fils de pute. Si, on est en prison, on est en prison. De votre côté. Ok. Ça va toi? Ah, oh, ça va, regarde, on a ce fils de pute là. Vous allez lui faire quoi? Là, il y a les avocats qui sont. Il y a pas mal d'avocats. Il y a le juge là qui va s'occuper de lui. Oui. Ok, d'accord. Bon, nous, c'est vraiment dur, ils vont faire plein de trucs. Merci. Oh putain. Tu vois, il y a écrit quoi là? J'ai l'avocat. Il y a écrit quoi? Oui, il y a écrit quoi? 70 charges. Je connais l'état de San Andreas par cœur et je peux t'assurer qu'on n'était pas du tout à 70 chars. De là, mon téléphone se fait hack. Et ma position est révélée. C'est 28 Calbi qui a hacké ton téléphone pour avoir ta position. Oui. Et du coup, à ce moment-là, c'était qui l'avait? C'était moi. Ok. Oui, j'avais interdiction de le sortir, il était dans ma poche et en fait, d'un coup, ça s'est mis à vibrer. Expliquez-nous là, avez-vous des choses à nous dire pour un peu tendrir votre peine en fait, peut-être? Dis-toi, tout ce que tu dis maintenant, soit ça peut être retenu contre toi, soit ça peut t'aider. À toi de choisir tes mots. C'est pour ça que j'ai pris un avocat, donc parle à ma place. Pourquoi j'ai pris un avocat? Mais moi je suis là pour te dire ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. Il veut tout passer par commande, par téléphone. Et quand on veut le voir en face à face, il met 10 ans à nous voir. Bah ouais, c'est voir. Trop chiant. Ils sont trop nuls, ils savent pas. Quoi ça, la blonde? Ah, oh, putain, attends, j'ai mal. Attends. C'est quoi attends. Ça, quoi écrit modérateur with bot? Ouais, attends. Voilà, attends, hop là. Ah, mais je l'ai plus. Putain, j'avais un message modérateur with bot. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Ah mais c'est supprimé le message. Mais non, tiens, je t'ai renvoyé. Et l'autre, il était où l'autre? Bah l'autre il s'est supprimé. Putain, modérateur Wizbot, il m'a envoyé un message. Bonsoir. Ah c'est vous la mariée monsieur? Bonsoir. Oui. Ah ouais. Elle aurait pu faire tout ça mais c'est ton plan B. Elle est pas titulaire dans l'ordre des priorités, pas la première. Dis-lui sinon là elle est seule. Je suis morte. Par la décevoir, c'est ciao, au revoir. Elle te dit c'est plus la peine de se voir. Je fais le travelling. Trop tard, elle qui voulait bien construire une histoire. Stop, faux départ. Pas de fondation, tu voulais déjà le toit. C'est ton plan. Des conseils que tu m'as donné avec la grand-mère et Siron, ok? Et ça a apporté ses fruits, ça a été... Bisous, Alex. Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime. Moi aussi. Oh, c'est pas trop pipou.
ferme les yeux, c'est pas ce que je... c'est pas ce que tu crois. C'est pas juste des meufs comme ça. Sky, au pied. Sky, la chienne au côté. Je passerai ça demain. C'est qui dit ça? C'est toi qui dit ça? Ça veut dire qu'on s'est fait voler. Rentre dans toutes les cartes, dans toutes les maisons, hein, je te le dis. Bébé, je suis enceinte. Bah, je vois que ça, hein. Encore. Si je me suis levée... si je me suis levée pour grignoter, c'est parce que j'ai un bébé dans le ventre. Allô. Regardez, hein. On doit le garder, on l'appelle comment? Si c'est un garçon, on l'appelle comment? Je sais pas, tu veux l'appeler comment? Pas moi. Joaquin, Joaquin. Ou Vikim. Ah, Vikim. Ouais, c'est bien ça, Vikim. Ah, Viking, ouais, c'est encore mieux. Quoi? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends, t'as dit, tu veux l'appeler comment? Viking. Viking? Oui. Oh, Viking, un peu pas, Joaquin. Ah, c'est la destinée, de toute façon. Ouais. Ça va, vous? Calme, calme. Mais les gars, on est toujours dans la voiture, là. Vas-y, je t'ai mis la pause, là. Comment ça se fait que ta voiture va plus vite que la nôtre? Ah, j'ai mis du repart, ça paraît frais. Il y a feu rouge, il y a feu rouge, les gars, feu rouge, feu rouge, les gars, feu rouge. Attendez, je descends, j'ai pas pris mon arme. Okay. Hop, j'avais oublié de prendre mon arme dans la véhicule. Maintenant, faites vite là. Ouais, c'est bon. Je rentre ma fenêtre. Allez, on repart, c'est parti. J'accélère, les gars! Dérapage! Non, quand on est venu vous voir la 3 semaines, on vous a pas dit tuer les Lost, d'accord? On vous avait dit à la toute base, bien avant, faites la guerre aux Lost, histoire de voir ça bouger. Et quand on vous a mis l'ultimatum, on vous a dit de vous bouger pour montrer que vous aviez votre place. Vous étiez là à la réunion? Avec les Haïtiens? Non. 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 Ok, très bien. Très bien. Et vous avez fait quoi depuis, du coup? On a cherché l'information de qui avait tué notre frère. Des fois, j'ai un petit con. Mais tu devrais pas, beau gosse. Bah ouais. T'as essayé de faire un live YouTube, c'est un nouveau son. Il est en train de faire un live YouTube là. Clippez s'il vous plaît. Clippez s'il vous plaît, je veux juste que vous clippiez. Et je veux qu'on regarde ensemble comment le bot de GTA. Et chaque année de ta vie, tu vas te rendre compte que la seule chose que tu vas regretter, c'est de ne pas avoir bougé le moment où tu avais besoin de bouger. Et le problème étant, c'est que c'est la damnation qui va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Vous allez terminer. Crève. Mais wesh, mais ils ont pas été réactifs. Elle a tué un hasard. Mais tu sors? Stop! À Lazare, tu m'entends? À Lazare! À Lazare! J'appelle le MS. Écartez-le, je le porte! À Lazare! Ouais. Vas-y, bah venez. Vas-y, y'a le Grizzly, y'a le Grizzly aussi, mais vas-y, on y va. Restez là, bon enfoiré. Mais. Mais quoi? Merde, c'est pas l'enjeu. Mais wesh! Mais quoi? Mais wesh! On doit les punir. Et la seule putain de punition que tu devrais avoir, toi, c'est la mort. Ah tu non, vois, je suis pas le bon. Tu vois, mon frère, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, je suis pas Dieu. Je suis pas un flic. Je suis pas un juge. Mais avant tout, je suis pas un Dieu. Parce que moi, tu vois quoi, je donne pas la vie. Mais tu sais ce que je fais, enfoiré? Quoi? Je la retire, la vie. Nouvelle ère. Non. Mais non. T'es rien, laissez-la. C'est pas grave. Stop, ça y est, ça. Allez, tout le monde en voiture, on se connaît. Mais ça, c'est pas gratuit. Vas-y, laissez-le. Ah, mademoiselle, on se voit plus tard, hein. Force à toi, allons se casser. Merci, à plus vas-y, tard. Vas-y, bougez. Recharge une dernière fois.
toujours rien. Quoi? Essaye encore une fois, essaye encore une fois, essaye une dernière fois, essaye une dernière fois, Sergio, essaye! Essayez, essayez une dernière fois, vous pouvez le faire une dernière fois! Essayez une dernière fois! Tenez-vous à gauche, vous pouvez le faire, Sergio! Essayez encore une fois, madame! Vous pouvez, essayez encore une dernière fois! Une dernière fois, bordel, une dernière fois, je te le dis! Par pitié, fais-le encore une fois! Rio, essaye, essaye, tu peux! Quoi? C'est notre métier, c'est notre métier. C'est ton métier, je sais, mais fais-le, je t'en supplie, peut-être que c'est la bonne cette fois-ci, fais-le! De toute façon, on n'a pas perdre. Rien jacques de CC, tant pis. Refais, je sais pas, faites le nécessaire, faites des trucs, même si tu lui laisseras des séquelles, mais. Donc quoi, il s'est passé quoi, mais j'attends, t'étais pas au téléphone là? Si, mais il m'a raccroché, je lui ai dit, je vais couper, il a raccroché. Ah, ok. Tu vois, tu me plais. Et moi, je vais dire la vérité, je suis pas trop fort dans tout ça, moi. Ça veut dire que je sais pas comment m'y prendre. Donc, voilà, tu me plais, j'aimerais approfondir le sujet avec toi. Maintenant, les cartes sont dans tes mains. Après, sache que c'est pas une vie facile parce que moi, tu vois, là, je suis policier, ça se peut que du jour au lendemain, je me fasse abattre. Comme, mais j'aime ça trop les policiers, moi, je trouve ça trop... Ah ouais, ouais. T'aimes trop ça? J'aime trop. Ouais. Ok, oh, c'est bon alors. Ouais, putain, je pourrais toucher ta matraque? Bah quoi? Ça va? Pucine du nez, la vie. Oui, non, ça va, y'a pas de soucis, tu m'auras touché. Pucine du nez, tu sais. Non, y'a rien. Je te laisse un peu avec lui pour. Elle est trop forte, sa noix. Pour faire ton deuil. S'il vous plaît, je veux un maximum de personnes qui aillent sur le stream à sa noix. Je ne sais pas si elle stream, attendez. Non, elle est pas en stream, je crois pas. Mais Sanoa, elle est trop forte. Vraiment, je le répète encore et j'en ai parlé hier. Sanoa est clairement la GOAT numéro 1 du RPEMS. Personne ne la détendra. Elle est indétrônable. Je vous laisse, si vous voulez lui faire ça. Tu sais bien viser, Bubble. De ma mère, on le tire dessus, vas-y. Bah, bien sûr, on tire, viens. Tu l'as couché, je crois. Monte, casse-toi. Oh, je l'ai touché, mon pote. Ouais. Waouh. Allez, wow. Casse-toi. Oh, il a crevé un pneu. Attends, je crois que c'est pour le gang. Attends. Bah oui, vas-y. Dis-moi ton gros crâne, là. Dis-moi. Oh, t'allais dire ton cul, hein. Il m'a menacé, Spin. Il a dit quoi? Oh, il m'a menacé, lui et son gars, je les ai mis. T'as vu, il y en a un, je lui ai mis un coup de couteau, l'autre, je lui ai mis deux coups dans la tête. T'acceptes de prendre la responsabilité, Jamie? J'accepte. Sans hésiter. C'est de ma faute s'ils sont là. C'est à moi de récolter le fruit de mes erreurs. Je te laisse faire ton signe, ma gueule. NOA. Mentalité NOA. Eastside Northwood, Joyo 6. Adieu. Reste en peace. Fume là. Reste en peace. Putain. Il y a deux autres. Il y a une voiture en bas là qui arrive. C'est chez nous. Redonnez-leur les pétards. Il y a un bateau en bas, prenez-le, cassez-vous. Je vais vous dire un truc, les gars. Ouais. Faites le bon choix. Hein. Regardez le bas, t'as trop la rage. Vas-y, frère, il prend, vas-y, me je trop l'aide. Eh bah, fais ça bien et puis tu vas voir. On se pète après. Hein? T'as dit quoi? On se pète après. Dis, vas-y, mon ref. Dis, vas-y, mon ref. Qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Dis, vas-y, mon ref, par pitié. Du coup, on part en 1056 d'un véhicule rouge au niveau de la Mesa. Vas-y, mon ref. Dis, bref, c'est bizarre. Modèle du véhicule, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu dis pas vas-y, mon ref? Vas-y. Le modèle du véhicule que vous êtes en 1056. Je lui ai dit, trop du cul, c'est arrêté de crier, t'auras entendu. Ah, j'ai pas entendu, putain. Et il a dit quoi? Il a dit vas-y. Je connais pas. Ouais. Type berline. Véhicule rouge, type berline. Putain, des barres. Je suis gêné. Mais moi je suis gêné de fou là. J'ai écouté la discussion, je sentais qu'il y avait un truc bizarre là. Ah, j'ai pas kiffé là.
Oh, petite vente, faites foraine. Adam. C'est pas grave, ma soeur, bien joué, ma soeur. Bien joué, Vicky, bien joué. Ah, merci. JL, double time. Je crois qu'elle va jouer entre les bichettes et les YG. Eh, on est. Dis, Mad, tu vas ou quoi, Mad? C'est, on se bat même pas. Je crois que j'ai été encouragé par personne. Attends, Ranel, tu te sens chaud par Ranel. T'es pas chaud, vas-y. Moi, je suis chaud, moi. Attends, attends, Amar, vas-y. Tu perds, t'as vu, je t'ai viré. Allez, voilà. Les prochains là. Attends, je vais toujours pas. C'est faux latino. Vous savez qu'ils sont là. On est là. Ah oui, non, c'est bon, je sais où c'est. Charles Gavin arrivé sur fréquence. Commandant. Je voulais mettre les gyros. J'ai entendu le. C'était pas les gyros. Non, rien, laisse tomber. Rien du tout, rien du tout, rien. Allô ? Oui, il y a Sam qui. Déjà une fois, je l'ai replanté une deuxième fois. Personne m'a tiré dessus, personne m'a tiré dessus. Mais il t'arrive quoi ? Il t'arrive quoi là ? Et pourquoi il parle, il est coma. J'ai eu. Cousin, t'as eu réveillé la gueule. Toujours pareil. Putain, tu m'entends là ? Attends, bah tiens. Au moins 15 couteaux, hein, je l'ai mis. Occupe-toi de lui, Sid. S'il te plaît, fais un boy pour lui, parce que lui, c'est pas possible. C'est pas possible, les humains comme ça. Tu peux appeler des médecins, là, les gars, là. Eh, médecin, pas, bah écoute, s'il crève sur le terrain, il crève. Ça lui a tiré dessus. Juste à monter, en fait. Hop, voilà, on va résoudre le problème, les gars. Voilà. Allez, je viens avec lui. Hein, allez, je vais buter. Au secours. Mais non, dis pas au secours, Yos, ce que tu veux, on arrive. Attends, tu veux pas ramener tous les renois du quartier? Tu vas pas, j'ai 40 ans, gros, je suis là, mais. Et il a dit rendez ma daronne, l'autre. Non, rendez ma daronne, les gars, il a dit. Je suis sous-scellé, rappelle-toi, je suis sous-scellé. Mais comment ça, t'es sous-scellé? Je suis sous-scellé, gros. Eh, mais t'as cru que j'allais aboyer comme une chienne dans ton putain de jacuzzi? Eh, tu vas pas, je suis trompé là! Mais non, justement, il faut que l'inverse, c'est celui qui aboie. Je voulais attraper par la queue, ton état à ma gauche, tu vois. Bref, tu touches pas, mon Gosberg. Mon fils. Genre, c'est tu craques. T'entends? Je sais pas, y'a moyen. Arrête! Peut-être tu veux la. Mais il prie. C'est grave ça. C'est Charlie. Non, je le connais pas. Je peux. Après peut-être que tu veux. Tu sais, tu veux genre ma pote. Hein. Ouais, je. Elle prend genre 3 ou. Alors. Mais. Je sais pas. Mais après j'ai une coupe courte. Je fais le courant ou. T'es courant quand t'entends ou. Ah. Arrête de me draguer, s'il te plaît. Vas-y, bref. Confie, arrête de draguer ma copine. Je la drague pas, elle est même pas bonne. Oh, c'est toi, tu es pas bon. T'as dit quoi là? Eh, viens là, viens, on va se battre. Viens, on va se battre. Mais Mélo, c'est la mère, elle va pas se taper avec toi. T'es une bouffonne. Allez, ciao. Elle a raison. Voilà, Mélo. Je te nique ta mère. Voilà, Mélo. Vas-y, Mélo. Pourquoi tu l'insultes? Elle a montré le respect. Non, mais t'inquiète, tu sais très bien pourquoi. Agression sur un agent? Oui, mais. Ramène les flics, ramène. Sur une bouffonne, agression sur une bouffonne, pas sur un agent. Courir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il en avait? Ah, et Sugar? Ouais. Zap mon numéro, ciao. Mais attends, mais elle a fait ça en mode à la dette, ça là. Sugar, dis-lui. Zap le numéro de Sugar, toi, ouais. Et toi, supprime le numéro de toi, ouais. Grenade, espèce de pote, comment tu parles au Big? Ça va tirer les cheveux là, arrête tes couilles. Parle mal au Big. Malade. Les citants dans les caravanes, ils t'attendent, t'es de la mongolaise. Et même ton agent de sécurité, t'as pas suivi. Malade. La sécu, elle est avec nous. Va au camping. Elle est incroyable cette musique. Oh. Incroyable les drifts. En fait, je retiens ce qu'il a dit l'autre soir. Il a dit vraiment, il tient mieux un bus qu'une Polchar. Voilà. C'est une meuf pour parler comme ça. Ton lieutenant, il drague tout ce qui bouge. Mais vraiment tout. Adieu. Qui toi? Bah, je sais pas, t'essayes de m'appeler. M'appelle plus jamais de ton existence, c'est bon?
ça vous a fait envie. Quelle heure est? Avec moi, avec moi, viens, viens, Tariq, Tariq, viens, fais le tour. Ah putain, ils vont me tirer. Derrière, 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 c'est la merde, aide-moi. Il lâchera pas, il lâchera pas. Braqueur, vous savez, il y a quelques temps, on a payé quasiment 600 000 dollars. Vous avez dit quoi, monsieur le maire? Il y a quelques temps, on a payé quasiment 600 000 dollars. Il y a des gars qui avaient volé des voitures. Mais ouais. Et donc? Bah voilà, bah. Vous négociez quoi. Si vous voulez pas être touché par balle, rendez-vous sur le côté et tout se passerait bien pour vous. Non, si vous pouviez éviter de me tirer dessus. Faites vite, rangez votre arme. Il y a quoi comme call radio là? Faites vite. Ah, j'ai pris une balle dans l'épaule. Aïe 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 aïe. Ne vous inquiétez pas monsieur, je vous promets. Eh vas-y, ça pue sa grand-mère. Ça va sinon Sky, tu vas bien? Elle est pas là. Ah bah lourd. Elle s'est endormie dans mes bras. Allô. En mode Sky, ça va mais pas mal, va te faire une culotte. T'as dit quoi? Non. Mais après ça va s'envoyer je crois. Comment ça va s'envoyer? Bah tu sais très bien, arrête d'être con. Quoi? Tu sais très bien, arrête d'être con. Comme hier.